bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous emmène dans une institution du voyage Made in France, bien connue pour ses villages et ses destinations de rêve. Et oui, nous partons au club. J'ai le plaisir de recevoir Anne Brouez, Chief Marketing, Digital et Technology Officer du célèbre Club Med. Peut-être plus que jamais, le secteur du tourisme et du voyage vit une période pour le moins singulière. Le Covid a chamboulé le marché, l'offre a dû réagir et tente de s'adapter face à des clients qui révisent leurs plans, nous allons le voir. Le sujet est vaste et par sa situation professionnelle, Anne est probablement l'une des personnes les mieux placées pour venir converser autour de nos trois grands thèmes de prix d'élection, à savoir, à l'ère du Covid, qui est le consommateur, quels sont ses comportements d'achat, bref, comment le marché se comporte-t-il, l'e-commerce s'adapte, on l'a vu, quels sont les enjeux et les perspectives marché pour lui. Et puis enfin, nous discuterons de la façon avec laquelle les annonceurs peuvent prendre la parole, quel type de relations les marques peuvent ou doivent entretenir avec leurs clients. Alors bonjour Anne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, ravie d'être avec toi et avec vous. Alors j'ai 45 ans, 2 enfants qui me comblent, un job de rêve. Alors mon parcours, j'ai après un parcours assez classique en école de commerce, j'avais commencé par du marketing lui aussi classique où je dois avouer un marketing produit industriel matériel de la piscine qu'au bout de 2 ans, du haut de mes 24 ans, je m'ennuyais un petit peu et j'ai sauté à 24 ans dans le bain du digital en 98 où j'ai rejoint une agence naissante de 15 personnes qui s'appelle Fullsix et j'y ai passé 15 ans, 15 années passionnantes à défricher des phénomènes à inventer avec les équipes. J'ai eu le bonheur d'être à la naissance du e-commerce, le bonheur d'être au passage du CRM vers le digital, en tout cas pas pour du digital en ligne, mais pour l'associer entre online et offline, à la naissance d'une activité qu'on avait lancée, mais qui s'est élargie sur tout le marché, sur les études clients et la façon dont on pouvait repenser les études clients à l'époque du digital. Et puis à partir de 2017... j'ai pris en charge la direction générale de l'agence Fullsix puis du groupe en France, donc c'était environ 500 personnes. Et là, j'ai eu des années encore un peu plus trépidantes, puisqu'on a du mal à l'imaginer maintenant, et ça fait un peu dinosaure, mais au moment où je l'ai fait, alors l'iPhone n'existait pas, les réseaux sociaux non plus, et la pub vidéo sur Internet n'existait pas non plus. Et dans ces années, j'ai eu des années d'hypercroissance où je conseillais des grandes marques françaises, des grandes entreprises sur leur stratégie digitale. On a eu aussi des années difficiles quand on travaillait dans le monde du digital en 2001 ou en 2009. Ça a énormément tangué. Ces phases de crise, c'est aussi une occasion de se renouveler et d'inventer. Ça nous a amené à pousser l'innovation et les offres pour nous et pour nos clients encore plus loin. Et notamment dans toute cette phase où j'étais aux manettes de l'agence Fullsix, à développer des offres comme la publicité vidéo sur Internet. Alors ça paraît extrêmement évident maintenant, mais à l'époque, quand j'avais mon bâton de pèlerin avec Anne-Sophie Krukmerle, qui est maintenant la présidente de Starcom, et qu'on allait voir des grandes marques pour leur dire « Regardez, on peut faire de la vidéo sur Internet qui atteindra des résultats similaires à la télé », on nous prenait honnêtement pour de folles, mais on a eu des grandes marques, Tati, L'Oréal, Danone, qui ont sauté avec nous et on a eu le bonheur de défricher ce marché. Ça veut dire que la techno, vous l'aviez développée en interne ? La techno existait, c'était pas très compliqué, mais c'était la croyance du fait qu'une pub vidéo pouvait, alors surtout qu'à l'époque, la vidéo était sans le son par défaut, donc on est allé négocier avec les éditeurs de dire on voudrait de la vidéo qui s'allume avec le son, ils nous ont dit vous êtes fous, on a négocié les premières secondes, enfin on allait défricher ce marché-là en disant, voilà, sur des bêtas de mémorisation, on peut atteindre en vidéo sur Internet un ROI qui serait similaire à la télé. Puis surtout, ça peut avoir la puissance de la télé. On peut avoir une couverture, un ramp-up de couverture en 2-3 jours qui soit similaire. Tout ça en 2010, c'était très précurseur. Et même si au Club Med, en l'occurrence, on fait de la télé. Donc la télé a aussi tous ses bénéfices. On ne s'était pas fait à l'époque que des amis parce qu'on avait un discours un peu agressif. Mais voilà, on innovait sur cette offre qui permettait d'aller cibler les clients différemment et qui s'est depuis généralisée avec des formats bien plus simples et industriels que ceux qu'on avait. On a lancé toutes les stratégies de réseaux sociaux pour des grandes marques, dont une fierté de clients chers à notre cœur, qui sont des clients comme Monoprix ou Adidas, hein, qui en ont fait un fer de lance. Mais à l'époque, on initiait le chemin avec eux en disant à quoi Facebook pourrait servir, comment on pourrait l'utiliser. Et puis ensuite, tout le développement du mobile, d'abord sur les apps mobiles qui ont pris un coup d'accélérateur avec l'iPhone, et puis plus globalement, le changement dans les stratégies. Et après 15 ans passionnants d'aventures humaines, d'aventures stratégiques, d'aventures marketing, j'ai eu pour la première fois, c'était en travaillant sur les Galeries Lafayette, j'ai eu le job de ma cliente qui m'a presque plus intéressée que le mien. Parce que ce que j'ai constaté à l'époque, on était en 2012, c'est que le digital commençait à apporter des transformations profondes dans les entreprises. Pas uniquement du e-commerce qui passait de 3 à 7%, ce qui était une croissance inouïe, mais qui restait, j'allais dire, sur le côté par rapport au cœur du réacteur, mais le fait que la data, les parcours clients omnicanaux devenaient des éléments qui pouvaient influencer les décisions stratégiques de l'entreprise, d'un maillage de magasins, d'une stratégie de sourcing produit, d'une stratégie promo. Et cette amplitude de transformation, ces opportunités qui s'ouvraient m'ont amené à, voilà, tourner la page du conseil pour ne pas juste dire aux clients ce qu'ils pourraient, devraient, faudrait faire, mais voilà, amener cette transformation qui, comme on le sait, on peut avoir les meilleures stratégies, tout se joue, je crois que c'est une des choses qui est chère à ton cœur, dans l'exécution, et voilà, amener cette transformation qui devient une transformation humaine dans tous les niveaux de l'entreprise. Et j'ai rejoint en 2012 le groupe familial Amaury. Donc Amaury, c'est un groupe qui, à l'époque, avait Le Parisien, qui depuis est passé chez LVMH et qui a toujours l'équipe, et puis Amaury Sport Organisation, donc le Paris-Dakar, le Tour de France, donc un beau groupe familial que j'ai rejoint pour m'occuper de la régie publicitaire du Parisien. Donc un business alors extrêmement différent, 80% des revenus en offline, un marché de publicité offline en décroissance, et il fallait animer les équipes, transformer nos façons de vendre, à la fois les produits qu'on vendait en conception avec les équipes chez l'éditeur, et sans jamais franchir la limite sacrée pour une marque média pour laquelle la valeur est dans le lien de confiance avec les lecteurs, jamais franchir la limite entre la publicité et l'éditorial, mais néanmoins aller chercher des formats plus riches de sens, et puis transformer, ça a été une très belle aventure humaine, les équipes commerciales qui étaient en silo, comme beaucoup d'organisations, et pour se dire, voilà, ce qu'on offre, c'est une marque média aux clients. Et j'y ai passé 3 ans, j'ai eu la chance de rejoindre également le comité de direction côté éditeur pour travailler sur le projet global éditeur et les contenus payants. Et puis, mon chemin a croisé celui du Club Med, qui est une entreprise chère à mon cœur. C'était un des clients chez Fullsix, un de nos clients chouchou, parce que la marque est magnétique, parce que le secteur du tourisme est très inspirant. Et puis, il y a un niveau de professionnalisme, d'engagement des équipes qui travaillent, qui faisait que c'était, voilà, un bonheur déjà de les avoir comme clients. Et en fait, le Club Med, à ce moment-là... Là, on est en quelle année ? On est en fin 2015. Moi, j'étais... Alors, à chaque fois, les grands changements sont faits au retour de congé mat. Donc, j'étais devenue DG Fullsix au retour du congé mat de mon fils. Et quand on m'a dit, quand tu reviendras, tu prendras la direction générale, j'étais... Je suis quelqu'un qui fonctionne à la passion, pas forcément à l'ambition du titre. Et le président de l'époque m'a dit, je lui ai dit, mais il y en a d'autres qui le veulent plus que moi. Il m'a dit, non, mais t'es la meilleure. C'est toi qui vas inspirer les équipes. Tu le fais en revenant. Mais alors... Il y a 2 mois et demi congé mat, prendre ce bébé, c'était significatif, mais comme quoi on a une nouvelle énergie. Et le Club Med, ça s'est fait. En fait, j'ai passé mes entretiens, j'étais un ballon, j'étais enceinte de 8 mois. Ce qui, je pense, a fait que j'étais très détendue et extrêmement franche, alors que l'enjeu du Club Med m'aurait tellement plu que j'aurais pu être, comme tout le monde, un peu sur la réserve ou impressionnée. Là, je m'étais dit, de toute façon, je vais accoucher avant la fin du processus, tellement j'étais en fin de grossesse. Et ça a été une très belle rencontre. Et donc, 3 mois après... Je démarrais au Club Med pour participer à un projet stratégique qui était... Le Club Med avait eu 2 premières transformations stratégiques. La montée en gamme, qui est un travail au long cours, qui est quasiment terminé, à partir de 2002, quand Henri Giscard d'Estaing a pris la présidence. Puis en 2009, face à cette crise historique, alors on en vit une encore plus inédite, le développement international, qui a été la 2e transformation du Club Med, offrir plus de choix de destination pour réduire les risques, et puis développer nos empreintes et nos présences commerciales dans plus de pays. Et c'est un élément qui, à part dans la crise actuelle qu'on vit, nous a sur laquelle aucun acteur n'aurait pu être solide, mais qui, cet développement international nous a rendu plus solides, parce que quand un marché ou une destination est en crise, on pouvait s'appuyer sur les autres. Quand on a le printemps arabe, quand on a le moustique Zika, quand on a un volcan à Bali, voilà, on pouvait proposer des alternatives à nos clients ou avoir un équilibre différent. Et donc en 2015, il y avait la troisième transformation du Club Med qui démarrait, après une bataille actionnariale épique qui a fait référence sur le marché français avec... une multiple OPA qui ont duré 18 mois, mais qui sont bien terminées pour l'équipe de direction avec la prise majoritaire d'un de nos actionnaires. Et on avait souhaité le fait d'avoir un capital qui soit plus resserré, qui permette de prendre des décisions plus rapides, et un actionnaire qui soit complètement derrière notre stratégie de montée en gamme et de développement international, donc un groupe chinois Fosun, auquel on s'était adossé il y a 10 ans, quand on avait mis un pied en Chine, en disant la Chine, il faut y aller, mais pas tout seul. Et qui a, alors souvent on me dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir un actionnaire chinois ? Alors, c'est déjà beaucoup mieux qu'un fonds de pension américain. Deuxièmement, un actionnaire chinois, je ne sais pas. Fosun, c'est une entreprise dont le fondateur, Chairman Wu, est avant tout un client du Club Med, c'est avant tout un GM. Si on oublie, si dans un chart, les chefs de village ne sont pas au même niveau du management, il va avoir ce point, parce qu'il sait que l'ADN du Club Med, ce sont ses équipes, ses géos, ses chefs de village. Donc, on a la chance d'avoir un actionnaire qui suit non seulement le projet stratégique, mais qui est respectueux et qui croit à la recette magique du Club Med qu'on ne saurait pas recréer si on devait la reprendre à zéro. Elle vient de nos fondateurs et des gens qui l'ont portée. Potentiellement, c'est peut-être aussi des nouveaux clients, non ? Et c'est devenu, la Chine, notre deuxième marché mondial en croissance de clients après la France, à la fois pour nos villages en Chine, qui accueille principalement des clients chinois, mais aussi nos villages internationaux, parce que c'est le marché le émetteur, comme on dit, le plus en développement dans le tourisme. Je suis témoin dans les Alpes, j'ai vu ça, le nombre de Chinois sur au Club Med, sur les pistes. Et dans les Alpes, il y en a beaucoup qui viennent en pré-saison, sur début décembre, notamment de Chine, mais de Hong Kong et Taïwan. Et puis, au mois de janvier, c'est beaucoup des Brésiliens. On a, nous, la saison de ski pour tous les acteurs de la montagne, un creux en janvier, puisqu'il n'y a pas de vacances scolaires en Europe. Nos villages sont, au mois de janvier, remplis à 60-70% de Brésiliens. Ce sont des familles brésiliennes aisées pour qui... c'est une période de vacances scolaires pour eux, pour qui aller passer des vacances dans les Alpes, en Europe. Et ils viennent au Club Med, mais ils en profitent pour visiter l'Italie, la France. Donc ça développe le tourisme et notre beau pays, tout en donnant une solidité économique au Club Med et en permettant de mettre des beaux moyens sur toute la saison hiver. Et donc en 2015, il y avait le souhait d'accélérer en digital pour être un enabler, j'essaie d'éviter le franglais, être un actif clé de la croissance à venir du Club Med, avec un projet stratégique qui était ouvrir 3 à 5 villages par an, avoir la capacité en tant qu'entreprise à repartir dans une croissance de 3 à 5 nouveaux villages par an, en Europe, en Amérique, en Asie, et pour lequel le digital était identifié comme un point essentiel, parce qu'il changeait complètement les parcours d'achat, la façon dont on choisit ses vacances, dont on en rêve, dont on les planifie, dont on les réserve. Et puis, dans une certaine mesure, on se disait qu'il y avait peut-être des choses à faire pendant le séjour, tout en ayant déjà très clairement dans notre vision stratégique le fait de dire ce qui fait la force du Club Med, c'est l'humain. Donc, le digital est quelque chose qui doit permettre de passer des vacances encore meilleures, mais le cœur des vacances, c'est pas le digital, c'est l'humain. Mais si on peut les faciliter, si on peut lever les irritants, si on peut donner les moyens à notre job d'avoir un travail encore plus à valeur ajoutée, parce qu'on a supprimé des tâches qui le sont moins, ça permet d'émerveiller encore plus les vacances de nos clients et puis le travail de nos équipes. Et donc, on a démarré cette transformation en 2015. Et dans le périmètre du job, au-delà d'être au Club Med et sur un beau projet de transformation, un élément qui le rendait assez unique, qui a rendu le casting pas évident parce que personne n'avait ses compétences, c'était le choix stratégique très précurseur de mettre dans la même équipe le marketing, inclus le marketing produit, design, le digital et puis toute la DSI. Pas uniquement la technologie e-commerce, mais l'ensemble de la DSI pour pouvoir avoir tous ces métiers qui évoluent sur le même tempo et qui évolue sur le tempo qui est celui de nos clients. On aime à dire qu'on veut respirer le même air que nos clients. On ne cherche pas, on a toujours été très pragmatique, et ça colle bien avec ma personnalité, mais à innover pour innover, dans les gens qui avaient pris des jobs de CDO. Thomas Romieux, qui l'avait eu un temps chez LVMH, m'avait dit, alors il y a les CDO avec un bullshit rate élevé, et puis les CDO qui parlent avec uniquement des mots qu'on comprend. Lui faisait plutôt partie de la deuxième catégorie, comme Lubomira Rocher, comme un certain nombre d'entre nous, et moi c'est quelque chose qui colle avec ma personnalité. Et au Club Med, on a toujours été très pragmatique dans ce qu'on faisait, en disant le point, c'est le client. On fait les choses pour le client. On ne cherche pas à gagner des prix ou avoir des articles de presse. Si ça le fait aussi, tant mieux. Mais avant tout, c'est toujours ce focus permanent sur le client, et juste après nos équipes, qui sont l'actif principal de l'entreprise avec la marque. Mais alors, Anne, je crois que j'ai jamais eu une invitée qui, naturellement, d'une fluidité incroyable, se raconte. J'ai pas eu besoin de te poser une question. Mais alors, merci. Et en plus, tu fais la transition parfaite avec le premier thème qu'on veut évoquer, qui est justement celui du marché, du consommateur. Tu dis que c'est vraiment, finalement, au cœur de votre stratégie. Le consommateur post-Covid, qui est-il ? Comment, finalement, le marché évolue ? Est-ce que les besoins sont tout à fait les mêmes ? Je ne crois pas, quand je te pose la question. Il y a eu des changements. Qu'est-ce que vous percevez en tant qu'acteur du tourisme qui est conjoncturel et ce qui est peut-être plus structurel ? Comment vous analysez ? Quelle est votre vision du marché aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que nous, je dirais la compréhension des attentes de nos clients a toujours été au cœur, bien avant même d'ailleurs mon arrivée, mais ça s'est renforcé dans la stratégie de l'entreprise sur le volet digital, au cœur de nos attentes. Il y a les éléments de fond qu'on avait identifiés, le parcours client omnicanal en est un, et on avait mis des gros moyens pour et on le fait toujours pour le comprendre. Il y avait la recherche d'expérience, toute cette tendance de fond depuis 3 ans sur le fait que finalement il y a plus de valeur à mettre de l'argent dans des expériences, des souvenirs, des histoires qu'on raconte que des objets à posséder. Notre directrice marketing chinoise m'avait dit d'ailleurs à ce sujet, une fois qu'on a 3 sacs à main, à quoi sert le 4e ? On préfère s'acheter des souvenirs. Et ce experience over things est un gros phénomène de fond. Et puis, on avait vu la reconnexion familiale, l'envie de me-time qui est toujours importante. On est sur une clientèle aisée en étant une offre premium. Donc, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont envie en vacances de souffler, d'avoir du temps pour eux. Mais un phénomène de fond qui était arrivé sur l'envie aussi d'avoir des moments uniques avec ses enfants, avec ses proches, en famille ou en famille 3G, ce qu'on appelle 3 générations en tribu. Et puis le dernier dans ce qu'on avait identifié qui était toute la tendance de transformative travel, de dire je veux plus quand je voyage avoir juste une parenthèse et puis après quand je reviens la vie reprend son cours, mais je veux des vacances qui me transforment. Alors le Club Med n'est pas allé sur le chemin des semaines à manger de l'herbe en dormant dans un arbre, c'est pas notre offre et c'est pas ce qu'on est, mais ça nous avait amené à faire évoluer notre offre et la communication dessus pour montrer en quoi le bénéfice de ces vacances, des moments passés ensemble était durable. Ça, ce sont les phénomènes de fond. Sans les détailler, et puis il y en a d'autres sur le digital everywhere, anytime, anywhere, any device, bon, plein de choses. Ce qui a été bousculé depuis le mois de mars, quand on a un regard européen, le mois de janvier pour nous, puisqu'on a eu le désavantage, mais l'avantage en courbe d'apprentissage d'avoir la crise qui démarrait pour nous dès le mois de janvier sur la Chine. Les principaux changements qu'on a vus, si je devais les résumer, le premier, ce serait les booking patterns, c'est-à-dire les comportements d'achat des clients qui changent. Alors, comme toute crise, sur le fait que les cycles d'achat sont beaucoup plus courts et beaucoup plus dernière minute. Mais on anticipe, on verra si l'avenir nous donne raison, que là, on sera sur un phénomène plus durable que lors de crises précédentes et que ça aura changé plus durablement ces délais d'achat. Et c'est un élément qui est à prendre en compte dans tous les volets de l'entreprise, qui est assez déstabilisant parce qu'on était habitués, nous, à savoir qu'en Chine, on est sur du last minute booking, en Australie, sur du très, très early comme l'Angleterre, la France au milieu. Toute l'organisation d'un acteur du tourisme international est calée là-dessus. Et là, les cartes sont complètement rabattues. Le deuxième élément, c'est l'équilibre entre sécurité et expérience. Si je vous avais parlé fin avril, j'aurais dit c'est la sécurité, qui a une nouvelle attente complète. Mais en fait, on voit qu'il y a cette attente de sécurité, le partenaire avec lequel je vais partir en vacances. Comment là, tu parles de la sécurité par rapport aux enjeux sanitaires. Voilà. Sécurité sanitaire, voilà, qui est sécurité sanitaire dans quel dispositif est mis en place pour avoir les bénéfices d'un ensemble, d'un lieu, d'un hôtel, tout en ayant les normes de sécurité les plus pointues. Dans sécurité, je mets aussi les conditions de rapatriement, oui, c'est-à-dire que garanties. Les garanties, on a eu, nous au début de la crise, le gros focus était la santé, la sécurité de nos clients et de nos équipes. On a affrété des avions, on a affrété plusieurs avions pour ramener nos clients. Ceux au Maroc sont rentrés en 48 heures. Ils étaient extrêmement heureux. Alors certains sont passés par Londres, ont fini en bus, mais alors quand ils voyaient d'autres personnes qui se retrouvaient bloquées pendant 15 jours avant de trouver un vol, voilà, dans toutes les crise sanitaire qu'on a eu, mais là, celle-ci fait qu'il y a un focus sécurité plus important. Ça, c'est ce que je t'aurais dit fin avril, début mai. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un équilibre entre le focus sanitaire, mais quand même l'envie d'expérience. Cette envie de revivre, notamment après les semaines de confinement, et donc de trouver le juste équilibre entre la sécurité et quand même l'expérience et l'épanouissement et le bonheur. Et puis, un troisième élément qui est aussi pour le monde du tourisme, un phénomène de fond qui est là plus à impact commercial, mais la flexibilité J'allais dire, avant, on pouvait acheter des voyages soit non modifiables, non remboursables, ou modifiables et remboursables. Maintenant, on cherche la super flexibilité. Et ça change la donne pour tous les acteurs, avec des implications différentes par pays selon la législation. Mais donc, voilà, si je me projette à réserver mes vacances pour dans 6 mois, 1 an ou même dans 1 mois, quelle va être la flexibilité s'il y a un imprévu? Parce qu'on est conscient que pour les clients sont conscients que pour les mois à venir, la situation sanitaire pourrait être très évolutive et permettre ou pas de voyager. Et si j'en citais un quatrième, il aurait pu être d'ailleurs en haut de la liste, c'est effectivement à court terme une demande beaucoup plus domestique. C'est-à-dire que les gens veulent pouvoir profiter d'expériences dépaysantes, mais beaucoup plus à proximité, à la fois pour limiter les voyages. Donc pour nous, ça veut dire les Français ou les Européens qui veulent rester soit en France, soit en Europe, mais qui vont forcément... n'ont pas la possibilité d'aller en courrier, de toute façon à court terme, en ont moins envie, mais ça change complètement l'offre et la demande. Les Chinois en Chine, les Japonais, on a ouvert nos villages au Japon, mais pour des clients japonais. Et donc là, vous avez une offre domestique dans les différents pays qui permet de satisfaire la demande, où il y a des pays pour lesquels, je pense à la France, qui est le marché domestique d'origine, où l'offre est... peut-être beaucoup plus développé qu'ailleurs. Alors, 2 choses. On a réouvert là, en ce moment, on a 25 villages ouverts sur 70. Donc, on a une offre domestique, mais ce n'est pas le principal élément, puisque tout l'équilibre qui permet de faire une offre de qualité étant sur le segment familial, ça veut dire qu'on est structurellement dépendant des vacances scolaires. Mmh. Ce qui fait l'équilibre économique, mais qui permet aussi de développer une offre de qualité pour le Club Med, c'est le fait de mixer les clientèles, qui permet d'avoir des taux d'occupation lissés sur l'année, parce qu'on mixe les clientèles internationales. Dans la crise qu'on vit, pour tous les acteurs qui sont comme nous et qui se basaient sur l'international, l'offre internationale, elle n'a pas ouvert. Donc, on a 25 villages qui sont ceux alors en France, en Italie, pour des clients italiens ou des clients européens qui peuvent y aller, Portugal, Grèce, ça c'est pour l'Europe. En revanche, on n'a bien évidemment pas pu réouvrir, les frontières ne sont pas réouvertes, nos villages au Maroc, en Tunisie, pourtant il y avait une forte demande, ils étaient fully booked pour le mois de juillet, mais il n'y a pas les possibilités d'y aller. Et puis dans d'autres géographies, ça veut dire que sur la zone Amérique du Nord, on a réouvert notre village à Sandpiper en Floride pour des clientèles américaines, on a réouvert ceux en Chine, ceux au Japon, et on réouvre un très beau village à Cherating en Malaisie, pour la clientèle malaisienne. Après, ça veut dire 2 choses. Si on devait rester durablement sur la clientèle domestique, ça ne suffit pas à atteindre un équilibre économique. Et en France, on a fait un choix courageux, mais je pense qu'il rend fier l'ensemble de nos équipes, en bureau ou en agence. On a fait le choix d'ouvrir tous nos villages. Si on avait fait un choix uniquement économique, on aurait dit à la montagne, on en ouvre 3, parce qu'on est sûr de les remplir. On a fait le choix de tous les ouvrir, parce qu'on compte aussi pour le tissu économique. On compte aussi en termes d'emploi, en termes de sourcing local, des activités qu'on fait, de tout ce qui est alimentation avec nos partenaires. Et donc, on a voulu ouvrir. On s'est mis la contrainte sanitaire cet été d'avoir des taux de remplissage capés. Donc, même là où on aurait une demande pour remplir nos villages à 100%, on s'est auto-limité. Même au mois d'août, il n'y aura jamais plus de 80% de clients dans un village. Et alors même qu'on a limité la capacité sans augmenter les prix, on a un staffing additionnel, et donc des coûts additionnels pour à la fois ces parties d'hygiène, sécurité en village. Donc là, tu es en train de répondre déjà sur une partie de la deuxième question qui est comment vous adaptez. Avant qu'on y vienne, je résume globalement ce que tu nous dis. Le marché, il est à la recherche de sécurité sanitaire, mais en même temps, il veut quand même un peu d'expérience. On est sur du last minute. Ouais. De façon globale. Et puis, finalement, à court terme, le domestique. Qui est l'offre plébiscitée dans une certaine mesure par le marché. Tu as commencé à le raconter sur la façon avec laquelle le Club Med a commencé à réouvrir des villages dans les pays pour répondre justement à ce besoin de voyage domestique, de façon plus globale. Comment vous vous êtes adapté? Comment vous anticipez? Quel est le rôle du digital dans cette espèce de nouveau paradigme dans lequel on se trouve aujourd'hui? Je sais, avant qu'on enregistre, que le digital a un rôle fort actuel. Tu l'as dit aussi en introduction à quel point la mission... c'est la 3e transformation, le digital, du groupe Club Med. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment ça marche? Comment vous adaptez? C'est quoi la proposition de valeur, finalement, que défend le Club Med au travers du digital? Alors, je ne vais pas répondre positivement à ta question parce que J'aurais deux réponses différentes. La proposition de valeur qu'on fait n'est pas centrée sur le digital. À l'inverse, le digital, en complément, a un rôle et joue un rôle extrêmement important dans la capacité de réactivité. Donc, par rapport aux tendances clients que j'ai décrites, celle des booking patterns qui changent, qui est très déstabilisante pour tous les acteurs du tourisme, parce que la question, c'est quand déclencher nos investissements marketing pour le faire au bon moment avec le bon message. Si on y va trop tôt, on jette l'argent par les fenêtres, et dans la période actuelle, ce n'est pas souhaitable. Si on y va trop tard, on rate des parts de marché. Et là-dessus, le digital joue un rôle essentiel, et on a même on a augmenté l'agilité de notre digital par rapport à ce qu'on avait avant la crise. Il joue un rôle essentiel parce qu'on s'était par exemple équipé sur l'Europe d'une agence média internalisée. Donc on a des équipes de trading en interne, et ça nous permet d'avoir une grande réactivité pour voir sur chaque marché. En France, quand il y a une annonce du Premier ministre, du Président, on suit dans les minutes et heures qui suivent la demande. On va utiliser d'abord nos canaux propres, le CRM, les social media, pour relayer les éléments. Et puis ensuite, en fonction des taux de remplissage, de façon dynamique, on a un village en Corse qui s'est rempli tout seul sans pub. Donc surtout, il ne s'agit pas de dépenser des budgets online médias dessus. Et puis là où on voit qu'il y a de l'offre qui reste disponible, d'activer nos campagnes de façon extrêmement dynamique, à la fois par rapport au stock produit qu'on a à vendre et par rapport à la demande qu'on va sentir. Et ça, c'est déployé à l'international pour se dire, en Italie, à quel moment, et les états d'esprit, puisque les situations sanitaires sont différentes, évoluent, à quel moment est-ce qu'on déclenche les campagnes? Et là où avant, sourire, c'était dans l'ancien monde, qui n'existe plus, nos campagnes étaient planifiées à 3 mois. Il y avait nos équipes internes, tout était bien rythmé, en disant, on planifie pour les 3 mois qui viennent. Aujourd'hui, on continue à regarder les 3 mois qui viennent, mais les décisions se prennent à la semaine de dire, je déclenche ou je ne déclenche pas. Et le digital... Et l'organisation humaine qu'on a mise en place pour le piloter rend ça possible dans des ampleurs qu'on n'aurait pas eu possible avant. Le digital a également été essentiel sur un deuxième point sans lequel je ne sais pas comment on aurait traversé cette crise, qui sont les modes de travail. On avait fait le choix qui aurait été essentiel de migrer toutes nos équipes bureaux l'an dernier sur Office 365. Alors au-delà de la techno, que ce soit Microsoft ou d'autres se sont équipés de Google, mais le fait d'être passé sur des outils dans le cloud là-dessus nous a permis du jour au lendemain d'avoir l'ensemble des équipes qui travaillaient chez elles, mais qui travaillaient efficacement. Et dans les premières semaines de la gestion de crise, quand il a fallu rapatrier tous nos clients et nos équipes, ça nous a donné une vélocité qu'on n'aurait jamais eu sinon. Donc, et l'ensemble des équipes ont appris. Alors on faisait déjà du télétravail avant, mais on est passé dans une autre ère, dans la capacité à travailler collaborativement, dans la capacité à créer, rebondir, repenser les plans d'action à distance. Tout le monde était extrêmement heureux quand mi-juin, avec des normes sanitaires extrêmement sécurisantes, mais on a pu réouvrir nos bureaux, et le plaisir de se revoir et le face-à-face joue un rôle. On ne pourrait pas imaginer une entreprise qui tournerait uniquement avec du travail à distance, mais la capacité technologique et digitale qu'on a eu à le faire a été un élément essentiel dans la capacité à gérer la crise au moment de l'urgence et à préparer le rebond. Après, sur le cœur de ta question qui était l'offre de valeur du Club Med, celle-ci, ça a été le cas ces dernières années, ça continue. Son cœur n'est pas digital, son cœur est humain. Et donc, on la travaille en revanche stratégiquement avec des insights digitaux. On va mesurer, on l'a mis en place depuis 4 ans, on a des outils d'analyse sémantique multilingue qui nous permettent de suivre le pouls de nos clients, à la fois la satisfaction par rapport à ce qu'on fait dans nos resorts, mais aussi le pouls des clients dans ce qui leur importe. On le nourrit avec nos partenaires. Google est un partenaire structurant là-dessus pour avoir le pouls des clients et de ce qu'ils cherchent et de leurs préoccupations, qui va nous amener à travailler notre offre. Alors le premier élément qui a amené à repenser l'offre de valeur pour l'été, il était la situation sanitaire et les normes. Et donc on a fait non seulement toutes les normes gouvernementales des marchés respectifs dans lesquels on était, mais en étant vigilant aussi à le faire, j'allais dire, avec plutôt le extra mile et le pas en plus. Et on a assez vite vu, alors ça, il y a des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied là-dessus, deuxième moitié d'avril et au mois de mai. Ensuite, il y avait comment on l'exprime pour nos clients, pour les rassurer, et puis être transparent sur ce qu'il y aurait, ce qu'il n'y aurait pas. Et assez vite, on a vu une bascule, et c'est des choses qui changent en une semaine, sur le fait que les clients qui nous appelaient avant pour dire mais quelles seront les normes, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que je mettrai un masque, est-ce qu'il y aura un mini-club, est-ce qu'on pourra faire du sport, est-ce qu'il y aura des soirées, des spectacles, qui appelaient d'abord pour des raisons sanitaires, en fait, après très vite rassurés sur le volet sanitaire, nous ont dit mais est-ce que ça va rester du Club Med ? Est-ce que je vais avoir la possibilité de vivre des expériences, de m'étonner en sport, d'avoir de l'ambiance? Et donc, on a dû, dans le discours, mettre beaucoup plus cela en lumière. Et finalement, le constat qu'on fait, là, on est fin juillet, donc on a nos resorts en France ouverts depuis 1 mois, et puis la Chine depuis 3 mois, et le Japon et les États-Unis sur la Floride depuis début juin. c'est que finalement, alors l'équation économique n'est pas forcément prendre du plomb dans l'aile sur la tête, mais on a réussi à transformer ce problème et ses contraintes en opportunité d'améliorer le produit et la proposition de valeur. Alors, je vous prends quelques exemples. On a l'avantage d'avoir des villages balnéaires qui sont sur 10, 15, 20 hectares. Donc, c'est vrai qu'on a cet avantage structurant. On ne construit pas nos clubs med sur X étages quand on est en balnéaire. Cet espace, il permet d'offrir beaucoup de liberté à nos clients tout en préservant la sécurité. On a la capacité qu'on a limitée à 80%. Et je veux dire qu'il y a des clients qui nous disent ah, pour le même prix, on est moins nombreux, c'est pas mal du tout. Encore une fois, ce ne serait pas pérenne économiquement, mais enfin à court terme, ils ont plutôt un produit qui gagne en valeur. On a la table, où alors on connaît l'actif historique du Club Med, qui est le buffet généreux. Et donc on a fait le choix de garder une table aussi généreuse, sauf que ce n'est plus un buffet en self-service, c'est un service, on appelle assister, un service à l'assiette, où en fait on a beaucoup augmenté nos staffings d'équipes au buffet qui font le service pour les clients. Donc finalement, il y a une présentation à l'assiette, une sophistication de la table qui est accrue. C'est quelque chose auquel on réfléchissait depuis longtemps en disant est-ce qu'on essaie d'avoir une offre table qui monte encore en gamme? Eh bien, cet été, on l'a fait, poussé par la crise, poussé par le fait qu'on ne pouvait plus avoir du self-service. Et ça nous permet d'avoir un effet de bord très bénéfique qui est, c'était un point de vigilance historique du Club Med. On a toujours été vigilant au gaspillage alimentaire. On a réussi à amener dans tous nos resorts, même avec le buffet, à pas plus de 100 grammes par client et par jour. Et c'était quelque chose qui a été suivi et qui est très important pour nous. Là, avec cette offre table qui est montée en gamme, on a encore réduit le gaspillage alimentaire, ce qui a un impact économique, mais aussi un impact environnemental et sur l'ensemble de l'empreinte qu'on laisse. Un autre exemple, enfin, j'en cite deux derniers, il y en a un qui est le mini-club. On a augmenté les staffings de géo par enfant, donc c'est un service encore plus sur mesure et les enfants aiment beaucoup. Et puis un dernier, c'est l'ambiance. Alors le Club Med, c'est iconique, il y a les crazy signs, les spectacles, les choses comme ça, et ça fait des années qu'on se disait il faut qu'on modernise l'ambiance, le spectacle géo c'est bien, mais peut-être pas tous les soirs, il faudrait varier, avoir d'autres choses, mais on a toujours du mal à lâcher un modèle qu'on connaît, et nos clients historiques disent bon, c'est ce qu'on veut. Les nouveaux pouvaient trouver ça un peu, pas forcément ringard, mais on avait été très copiés là-dessus, mais on avait forcément du mal à bouger sur un nouveau système. Là, de toute façon, nos amphithéâtres ne sont plus ouverts. Donc, on a accéléré un projet qu'on avait dans les cartons, mais on se disait, alors, on va piloter sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, on a déployé cet été dans tous nos villages toute une nouvelle offre ambiance, où on a en fait tous les soirs 3 thématiques différentes, qui fait que ça réunit moins de gens. On a doublé le nombre de Club Med artistes, qu'on appelle les Club Med artistes, et les talents qui viennent au Club Med passer une semaine en échange et qui font du chant, de la magie. On a des comiques qui viennent, on a dans les artistes aussi des sportifs. Et donc, on a augmenté cette offre-là pour garder une ambiance, mais différente. Donc, ça nous oblige et on espère qu'on sortira de la crise comme tout le monde, on est extrêmement fragilité. On est entré très solide dans la crise par la transformation historique. Les derniers mois avant la crise étaient historiques. Même en étant très solide, toute entreprise qui arrête son activité 3 mois est mise à mal. Et les dispositifs qu'il y a eu en France nous ont énormément aidés, que ce soit le fait de pouvoir obtenir un prêt garanti par l'État, que ce soit le fait qu'on ait pu mettre, quand on était à l'arrêt, qu'on avait tout fermé, d'avoir nos équipes qui puissent être en chômage partiel ou en chômage technique. C'est un élément qui a permis de préserver l'emploi. Tous ces dispositifs nous aident à passer la crise et ont été très bien gérés par l'État. Et on a l'ambition de sortir plus fort. Alors, on sortira plus fort, ce n'est pas une crise qui va s'arrêter dans 3 mois et où tout sera redevenu comme avant au mois de novembre. Donc, on est prêt pour un chemin qui sera long. Donc, il faut qu'on gère notre effort, qu'on gère nos investissements. Et pour conclure là-dessus et boucler sur ta question, le digital rend des services dans l'agilité, dans la réactivité, dans la modularité de notre offre. Et puis, un service qui rend, c'est aussi qu'on ajuste la voilure. C'est aussi sur certains sujets qui sont des sujets long terme, des sujets stratégiques, d'avoir à court terme réduit la voilure pour préserver la trésorerie, préserver, je dirais, l'effort au long cours qui va devoir être fait dans l'année qui vient et se dire, voilà, certains investissements stratégiques mais plus long terme ont été reportés à 2021 ou seront reportés à 2022 parce qu'un des rôles qu'on se doit de jouer dans la transformation digitale, il est aussi d'adapter nos investissements à la réalité économique de l'entreprise, d'aller sur l'essentiel, sur ce qui contribue le plus. Bon, là, tu as très, très bien répondu à ma question et abondamment. Tu es même allé un peu sur la question que je voulais te poser sur la prise de parole et la façon avec laquelle vous alliez vous adresser à vos consommateurs. Tu as évoqué finalement l'adaptation des campagnes en fonction de la réalité de chacun des pays pour pouvoir faire la promotion ciblée des différentes offres dans les pays. Pour conclure, en fait, j'ai une dernière question, on l'a un peu évoquée ensemble, c'est l'organisation en fait omnicanale qu'a mis en place le Club Med entre finalement la vente sur le site internet, la vente en agence. Tu as commencé à m'en parler avant qu'on enregistre. Il y a une articulation assez intelligente qui s'est mise en place. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, c'est un sujet qui mobilise beaucoup de talents chez nous et on est, même si on est conscient qu'on, j'allais dire, la perfection n'est pas encore atteinte et puis il y aura toujours des choses à faire, on est, je pense, collectivement fiers du travail accompli. Il y a 3 ans, on a fait une étude assez fondatrice qui maintenant est sur des datas qui sont alimentées en temps réel pour comprendre le parcours de nos clients et sortir un petit peu du modèle où on dit quelle est la part de vos ventes par canaux. Parce que alors la part de nos ventes par canaux, voilà, on a en France 70% de nos ventes qui sont directes, le reste c'est nos partenaires indirects, les agences de voyage qui nous commercialisent et qui sont un élément essentiel de la croissance du Club Med. Et sur le direct, selon les pays, on est entre 15 et pour les plus élevés, 40-45% de ventes online. Mais quand on a fait l'étude omnicanal, on s'est rendu compte que ces chiffres ne veulent rien dire. Ce qui m'a conforté dans le fait qu'on ne se fixe pas de cible de part des ventes online, parce que ce qu'on a vu, c'est que pour les 2 tiers de nos clients, le parcours était omnicanal. Les 2 tiers de nos clients oscillent entre le site web, le centre d'appel, et dans les pays comme la France, la Belgique et la Suisse où on a des agences, les agences. Et d'ailleurs, pour le citer, 80% des ventes qu'on appelle online, en fait, ne sont pas des ventes pures online, c'est le dernier clic, en l'occurrence le booking qui a été fait online, mais pour 80% d'entre eux, on a mesuré qu'ils avaient dans le parcours client appelé un vendeur. Et finalement, ça nous a permis de mesurer combien, j'allais dire, l'humain est important entre, à la limite, digital d'un côté qui est plus le self-service, et puis l'humain de l'autre côté qui est que je sois au téléphone ou en agence, le fait que je parle à un vendeur qui va pouvoir m'apporter toute sa valeur ajoutée, partager ses expériences. D'ailleurs, on ne les appelle pas des vendeurs chez nous, on les a renommés TED, des Travel Experience Designers. Ils sont là quand nos clients ou nos prospects appellent, c'est qu'ils veulent un conseil plus sophistiqué, sur mesure. Et d'ailleurs, les personnels qui se trouvent en agence jouent ce rôle-là aussi au téléphone. Voilà, nos TED, nos Travel Experience Designers, en fait, ça c'est une transformation qui avait été opérée par le patron Europe il y a 5 ans. En fait, on avait un constat que avoir beaucoup d'acteurs qui est que le trafic en agence diminuait. Donc, j'allais dire, les solutions sont soit passées de 45 agences à 20, mais les zones de chalandise ne sont pas forcément les mêmes. Et il y avait un choix qui avait été fait, qui était de dire, mais en fait, nos agences vont devenir nos contact centers. Et ainsi, dans la journée, on a pu garder toute la force de frappe de nos agences et de nos vendeurs. Et c'est eux qui prennent les appels. Donc, quand vous appelez le numéro Club Med, en fait, vous tombez sur un vendeur qui est en agence. Vous avez la même qualité. Et selon les activités dans la journée, voilà, il va prendre des appels ou du face-à-face. Et donc, on a vu que ces parcours étaient très omnicanaux. Et là, on est allé défricher. Les parcours sont appelés gagnants-perdants. On est allé voir toutes les zones de rupture qu'on avait, le client qui commence sur un canal, qui ne peut pas reprendre sur l'autre, etc. Et on s'est attelé à un travail qui fait très beau sur PowerPoint, mais qui est un travail de fourmi, mais passionnant, pour rendre ce parcours le plus fluide possible pour nos clients, le plus indolore. Et aujourd'hui, alors on n'a pas atteint la perfection, je dirais qu'on est à 80% du chemin, mais un client peut commencer sur Internet, alors majoritairement sur son mobile. Là, il se dit, je vais appeler un conseiller, il clique sur le site, sur le bouton pour appeler un conseiller, et quand notre Travel Experience Designer va décrocher, il a tout l'historique, il sait sur quelle page le client est, si le client voyage avec enfant, alors nous, on fait rentrer les dates de naissance pour avoir le prix qui dépend de la catégorie d'âge. Il n'a pas besoin de lui redemander les dates de naissance des enfants. Quand c'est la maman, en général, elle les connaît, le papa, il a pu les oublier un peu, donc on lui évite ce point pénible. Il va pouvoir accéder, lui, à des fonctions avancées pour comparer, donc reprendre même la phase de shopping qui était en cours. Si à l'inverse, je suis allée en agence, j'ai pris un conseil, on m'a mis une option sur un village et je prends le temps d'y réfléchir, je reçois mon option par email et en un clic, je peux la convertir sur Internet, payer mon acompte et confirmer le dossier. Donc, on n'est pas parfait. Il reste des fonctionnalités avancées. Il reste des choses comme le fait que si j'ai commencé quelque chose avec un vendeur et je veux le reprendre, le modifier pour un booking plus compliqué parce que tous les participants n'arrivent pas au même jour, bon, ben là, il faudra rappeler un vendeur. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le pas à pas. Mais on a essayé, d'un point de vue client, de fluidifier au maximum. Et ça nous a amené d'ailleurs, après les premières années où on avait mis les efforts sur toute la modernisation du e-commerce pour rendre le site responsive, ça nous a amené à prioriser un investissement, alors beaucoup moins glamour et visible, mais tout aussi important pour le Club Med, qui est l'outil de nos vendeurs. Et de dire, on ne peut pas, face à des clients qui ont tout sur Internet, il faut qu'on équipe nos vendeurs avec les outils les plus modernes qui leur permettent, en un coup d'œil, d'avoir l'historique du client, de lui faire le conseil le plus personnalisé, de comparer facilement. Et c'est un projet sur lequel on investit beaucoup, à la fois dans l'outil et dans le changement que ça donne dans les habitudes de vente. Bah écoute, Anne, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir abondamment expliqué comment ça fonctionne, comment le Club Med s'organise s'est organisé et continue à s'organiser autour effectivement d'un marché qui est encore dans le brouillard et il est difficile de se projeter. Tu nous as apporté un éclaircissement très concret. Merci beaucoup. Merci à Comexposium, l'organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de l'épisode. Merci encore à vous tous qui écoutez. N'hésitez pas à laisser les commentaires ou à m'envoyer des messages via LinkedIn ou le site Les Digital Doers. Anne, merci encore. À bientôt. À bientôt. Au revoir.